Et bonjour Internet, bonjour Anticlar, ici Casavagna, j'espère que vous avez de la forme, la pêche, la patate. Moi je l'ai, je vous retrouve avec grand plaisir les amis sur WoW, épisode 35 de mon display avec Casawar, Casawar. Niveau 38 actuellement, nous nous retrouvons toujours dans les Maltes Terres de l'Ouest. On a un petit chuchotage, un chuchotement de Tarazaz qui me dit « Hey Kaz, bon tournage !» Eh ben merci l'ami. On va effectivement passer un bon tournage ensemble. Et donc nous sommes dans les Maltes Terres de l'Ouest, niveau 38, 38 et demi, et on a certains trucs à aller voir, se présenter à Nathaniel Dumas, la Syrie de la Crète du Nord, dans les Maltes Terres de l'Ouest. Et ben on va se faire ça, hop, on va trier un petit peu les sacs, c'est toujours pareil, de toute façon, hop, voilà. Allez, je bois un petit café, on va dire merci à Taratas quand même, merci. Hop, voilà. Il me faut merde, laissez-moi tranquille. Ah oui, et un. J'ai un raccourci qui a sauté. Alors attendez, je réfléchis à comment je pourrais le changer de place. Donc on va faire ça comme ça. Voilà, ça sera plus commode. Hop! Ah oui, question technique. Alors avançons. Allons à la Syrie. Et pas en Syrie. Oh, jeu de mots pourris! Alors, certaines personnes ont pu constater que j'ai repris je fais des lives de temps à autre, régulièrement, en plus, sur YouTube, directement sur YouTube. Donc, vous pouvez voir les lives directement sur la chaîne YouTube, ou sur YouTube Gaming, qui est la plateforme live de YouTube. Alors, pourquoi YouTube Gaming? Pourquoi les lives directement sur YouTube? Tout simplement parce que je peux directement faire des lives en HD 1080p en 60 fps, donc vraiment quelque chose de vraiment chouette, du lourd on va dire. Voilà, niveau qualité on a tout de suite une qualité irréprochable. En plus tout le monde peut profiter du live sans que ça bug, sans que ça ralentisse, sans que ça coupe. Et pour ceux qui auraient des difficultés pour voir les lives, vous avez la possibilité sur YouTube Gaming ou YouTube directement, comme les VOD, comme les vidéos normales que je tourne, vous pouvez choisir en bas à droite de la petite fenêtre la qualité de la vidéo. Voilà, pour pas avoir des trucs qui mettent trop de temps à charger par exemple. Donc c'est vachement bien, vous êtes nombreux à passer quand je fais des lives, c'est super sympa. Donc on continuons ainsi. Alors Nathaniel Dumas, bienvenue à la Crète du Nord guerrier. Allez dans l'honneur. Ah, qu'il est bon d'être de retour à la Crète du Nord. J'ai ma Syrie, ma merveilleuse épouse, un petit garçon plein de vie. J'ai même conclu un accord commercial avec la Croisade d'Argent. Nous allons fournir en bois les forces de Tyrion. Monter sur un Mustang d'Atreval à la Syrie de la Crète du Nord, puis utiliser ses capacités hennissement pour effrayer 25 araignées. Ok, c'est rigolo comme quête ça. Alors, vous Kelly, c'est sa femme. Qu'est-ce qu'elle porte Kelly dans son dos là? Ah le bébé! Ah mon dieu! Regardez ce truc! Oh putain, on dirait une fève. Une fève dans un. Ouais, c'est ça, c'est une fève. On dirait une putain de fève. Oh la vache. Je suis contente pour Nathanael. Il a passé tellement de temps à essayer de retourner à la Crète du Nord, et maintenant que la croisade d'Argent le laisse tranquille, il va enfin pouvoir rentrer chez lui. Seulement, même si les environs ont l'air idylliques, ce n'est pas le meilleur endroit sur Terre pour élever une famille. Tu es 12 renards enragés près de la Syrie de la Crète du Nord. Prenez soin de vous. Ok. Bon, alors, faut que je monte sur un Mustang. Un Mustang, c'est un cheval. Et c'est pas seulement une marque de voiture. Hop. Et faut que je fasse peur aux araignées qui se trouvent. On en a vu plein en arrivant. Bah, il y en a plein par là. Alors, hennissement. Ah oh ouais, bah c'est bien, je spam mon truc. Ça va être rapide. Ça va être efficace. Comme j'aime. Et voilà. Ah, il m'en manque une. Voilà, 25 sur. Quoi? Non? Quoi? 25 sur 25. Eh bien, on va rendre la quête. Quoique, on peut déjà tuer les renards. Ce sera fait. Ils sont par là. Allons-y. Il va vite son truc, là. Et on va tuer les renards enragés. Effectivement, ils ont pas l'air commodes. Je ne suis pas à portée. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? 12. C'est beaucoup. C'est trop loin. Mais j'ai pas peur du défi. Car je suis Casawar. Le seul unique. Je ne peux pas encore le faire.
Hop. Ah, il y a une petite mine à récupérer là-bas. Ça sera bien à faire. Pour monter mon métier de mineur. Et, je le rappelle, niveau... Ah, faudra que j'aille en ville quand même pour débloquer mon secouriste au prochain roi. Sinon, je vais t'emmerder. Bon, on se réserve ça. Prochainement. Alors, les renards. Renard Chenapan. Je sais pas si vous connaissez ça, c'était la musique d'une introduction d'un putain de vieux dessin animé. Je me rappelle même pas le nom. Ça commençait par Renard Chenapan. Et l'histoire, c'était un petit renard qui faisait quoi? Et ben, c'était un petit renard voleur, je crois. Et dans le générique du début, il montait dans une montgolfière qui s'envolait. Bref, c'était bizarre. Je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs, mais ça commençait par Renard Chenapan. Alors, si quelqu'un peut me trouver ce putain de générique, ça me rappellera ma jeunesse. Ça sera gentil. Ça sera très gentil. Renard Chenapan. Bref. Est-ce qu'on raconte pas comme conneries quand on fait des vidéos sur Bo? Alors, 7 sur 12, c'est pas mal. Nous, notre barre d'XP monte doucement, mais sûrement. On fait une espèce de plan d'annihilation de renard. C'est assez méchant de ma part. Surtout que moi, j'aime bien le renard, c'est mignon un renard. Bon, dans la vraie vie, c'est pas aussi gros. Hein. Je rassure, un renard, c'est plutôt gros comme un gros chat. Comme un petit chien. Mais c'est pas aussi immense que ça. Et c'est beau. Bon, par contre... fait des trous, des terriers, comme ça. Ça mange des poules. Ça mange plutôt des poules, des œufs de poules, tout ça. Alors, du coup, les renards, mais il me reste plus qu'un. Pas celui-là. Qui est très bien. Allez, petit dernier. Viens par ici, mon gars. Je vais t'apprendre la vie. Papa Kaza, t'apprends la vie. Apprends la vie, écoute, Papa Kaza. Oh non. Voilà. Allez. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai la volonté de réprouver. Ah bah non. Pas trompé. Alors. La croisade d'argent, mon cher Nathaniel. Eh bien, on dirait que les araignées sont effectivement peur des Mustangs, mais leur effroi n'est que de courte durée. Le général ici m'a eu la bonté de nous envoyer quelques-unes de ses recrues pour nous protéger, ainsi que la Syrie. Grâce à vos qualités de cavalier et à leur prouesse martiale, nous allons pouvoir régler facilement ce problème d'araignée. Montez sur un Mustang d'Atreval, près de la Syrie de la Crête du Nord, puis utilisez sa capacité Inspan pour rabattre 10 araignées de la Crête du Nord vers les recrues. Wow. Prenez soin de vous. Ok, donc en fait, je fais le rôle d'un espèce de fermier. Un plaisir de vous rencontrer. Je me sens un peu soulagé, Kazoar. Merci. Que la journée soit bonne. Plus loin au sud, vous trouverez des gnolls, rouges peints, de nouveaux arrivants dans la région. Vous avez probablement dû en croiser en chemin. Nathaniel prétend qu'il ne pose pas de problème, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Récupérez 10 tas de bois de la crête du nord à la cluse des rouges peints. On se voit plus tard. J'ai des doutes quant aux intentions de ces gnolls. Ils ne nous ont pas encore attaqués, mais leur population s'accroît et ils semblent toujours prêts à faire usage de leurs armes. Je ne suis pas une experte militaire, mais leur attitude est un peu trop agressive à mon goût. Obtenez 6 bâtons rouge peints et 6 massues rouge peints tuant des gnolls. Elle est méchante, elle. Je veux dire, la gonzesse, il faut que j'aille tuer des gnolls. Tout simplement parce qu'elle trouve qu'ils sont nombreux et trop près de chez elle. Pas beau, ça, madame. On commence comme ça, puis on finit par envahir le monde. Hein. Oh là là, je vous jure. Et ça arrive encore. C'est les bonnes femmes qui ont des mauvaises idées comme ça. Allez, faut les rabattre sur. Tout droit là. Ça va être long, on va essayer de faire quelque chose de pas trop dégueulasse. Ce sort n'est pas encore utilisable. Ah voilà, comme ça, d'accord. Ok. Bon. C'est rigolo. C'est le genre de quête rigolote qui me fait rire. Elle me l'a pas compté le bâtard. Ah le bâtard. Ils en ont tué 3 et ça m'en a compté 2 parce que j'étais parti trop loin.
Donc il faut que je reste à côté pendant qu'il les tue. On va voir. Voilà, faut que je reste à côté, sinon ça compte pas. Faut pas que je m'en aille trop tôt. Allez, les deux en même temps là. Trois même. Je pense que ça va être compliqué. Oh là, je suis en train de partir complètement à gauche. On va faire une par une, hein. Ça sera plus simple. Il y a un autre joueur là-bas. Alors, est-ce qu'il prend? Toujours pas. Si. Voilà. C'est ça qui est sympa dans WoW, c'est vraiment vous avez des quêtes diverses et variées. Et ça, c'est vraiment le genre de quête rigolote qui casse un petit peu le rythme des va chercher ça, va tuer ci, ramène-nous des machins. Ah, c'est pas non plus passionnant, mais c'est très c'est rigolo. Voilà. C'est rigolo, c'est tout ce qu'on demande au jeu d'être. Divertissant, rigolo. Et ça, j'aime beaucoup, moi, ce genre de conneries. Puis moi qui aime pas les araignées. Content. Hop, 7 sur 10. Je suis un bon petit berger. Est-ce que je peux en ramener 3 en même temps, à votre avis? Ça me semble un petit peu compliqué. Bon, on va faire par deux. On va faire par pack de 2. Allez, il est en train de se barrer à l'autre bout. Je commence à prendre de l'assurance. Ah, celle-là, elle va mourir, c'est bon. Voilà, et puis celle-là, les amis. Bon, il aurait pu me demander de les tuer moi-même, ça aurait pris 30 secondes. Mais non. Il doit avoir peur que les recrues d'Atreval s'ennuient. Allez, le dernier. C'est bon? Voilà. Alors, faut que j'aille maintenant éradiquer des gnolls. Bah, les pauvres bêtes, elles ont rien demandé. Puis moi, j'ai arrivé, j'ai tous les exterminés. Alors, il y en a qui donnent des massues, il y en a qui donnent des bâtons. Donc, j'imagine, il y a des guerriers et il y a des. Ouais, du même genre, quoi. Il faut que j'en reste du bois aussi. Ah, les packs de bois, ils sont là. Vous allez décider, oui? Non, mais... Bon, j'ai rien contre vous. À vrai dire, que vous soyez là ou pas, je m'en fous pas mal. Mais, apparemment, je trouve que je vous tue, une raison, hein. En ruine. Bon, allez, on va y aller, j'aime bien. Moi, j'aime bien dans les jeux, me promener. Découvrir un peu les zones. Hop. Ah, du bois, faut que j'en mette 10. Ça va être long. Je suis sûr qu'il y a, même pas un mob. Un mob rare ici. C'est bien le genre d'endroit où on pourra mettre un mob rare. Déception. J'ai envie de mourir, déception. Ah oui, ça va être vraiment long de ramasser 10 bois. Et les chamans, ça va être eux, bien évidemment, qui donnent des bâtons. On va voir. Ensuite. Bah moi j'aime beaucoup mon personnage. Je trouve qu'il est pratique. Chaman. Chaman. Alors j'espère que vous passez de bonnes vacances. Pour ceux qui sont en vacances, je pense que vous êtes toujours en vacances. Hein. En ce mois de... Quel mois on est? En mois de juillet. Moi ce n'est pas le cas, mais évidemment pas encore. Alors je profite de cette petite vidéo pour... vous dire que il y aura un moment sans vidéo au mois d'août parce que je partirai en vacances, mais je vous ferai une annonce hein, comme d'habitude en vidéo pour que vous soyez informés, au courant, que vous ne vous inquiétez pas d'un futur petit creux dans les productions vidéo. Donc il y aura une petite pause vacances en août, mais c'est pas pour tout de suite et puis je vous préviendrai. Ah, un chaman et une mine. Alors quand je serai à niveau 40, je pourrais m'acheter la compétence de monte pour aller plus vite. Ce sera une bonne chose de fait aussi.
Vivement le niveau. C'est quoi, c'est le niveau 60 ou 58 pour pouvoir voler? Je sais même plus. Tiens, on va regarder. Parce qu'ils ont changé ça. Hein. Non, c'est pas là, c'est là. Grimoire. Ici, général. Et ben, je crois que c'est 60. Ouais, c'est 60 pour voler. Bah ça sera pas mal, hein. Je pourrais m'envoler dans les cieux. Et niveau 60, bah écoutez, on sera déjà dans la zone BC. Burning Crusade. Pour moi, l'extension qui me... que j'ai préféré. Le meilleur souvenir en tant que joueur ou de WoW. Pour moi, c'était durant Burning Crusade. Alors, il manque plus qu'un chaman, c'est tant mieux. Il y en a un là. Ah bah oui, bah ça, je pense que j'allais prendre le petit renard avec, c'est pas grave, il va venir, c'est tout. Bon, je pense qu'après tout ça, on va bien, on va, hop, niveau 39, super. Il manque du bois, les amis, il me manque du bois. Quand même, il manque 3 morceaux de bois. Alors, du bois. Ah, puis l'ambiance musicale dans ce jeu. Ah ouais, c'est WoW, on est bien sur WoW. Venez comme vous êtes bien sur WoW. Hop. Qui donc? Couchez. Couchez, sale bête. Allez, manque un bois. Et on en parle plus. Bah voilà, il suffit de se tourner, il est dans mon dos. Allez, on va rendre des quêtes, les amis. Une quête. Me demandez pas pourquoi je fais ça, je ne sais pas non plus. Oubliez ce que vous avez entendu. Mon cher Nathaniel, je préfère ça. Maintenant, mes bûcherons peuvent reprendre le collier. Vous nous avez donné une belle démonstration d'art équestre, Casabar. Vous êtes assez impressionnant sur ce Mustang. Force en lieu, c'est super ça. Et une masque est pas trop dégueulasse. Une main d'épaisse. Ouais, ben on va plutôt préférer la bague. Et je passe au niveau 39. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Rien du tout. C'est le donjon H-Trip, d'accord. Oh, avant que vous partiez, Casabar, j'ai un message pour vous. Il y a quelqu'un à Atreval qui aimerait vous voir. Il a dit avoir déjà entendu votre nom revenir dans les conversations. Présentez-vous au généralissime Thérion. Fordring à Atreval. Pour l'Alliance. Ça marche. Alors, j'en suis où? 2 forces de rendu, 4 intel 3 rendu. Et ben, ça sera plutôt comme ça. Voilà, on est pas mal. Hop, hop, hop. Ce n'est pas encore... Ah, le gamin, il chante en plus. La fève de Noël, là. Enfin, la fève de... Oh, putain, franchement... Comment on peut faire des trucs aussi moches? Comment peut-on faire des trucs aussi affreux? T'as pas honte d'avoir un gosse si moche? Ah, tiens, je te le tue. Salutations. Non, je rigole. De vieux bûcherons m'ont dit que les rouges pas vieux dans cette région. Je vais me contenter de remettre ce bois là où il était rangé. Nathaniel ne remarquera probablement même pas qu'il a été volé. Il est con, ton mec. Merci, Kadawar. Je vais jeter tout ça au feu. Je n'ai pas envie que ces gnolls s'introduisent dans ma maison pour les récupérer. Alors, Maï, s'est rendu cette force. Ça, c'est bon, ça. Eh, hey, bouge pas. Do, un tendu et H à une main. Ah, on est pas mal. On va prendre l'H sur ce coup-ci. On va augmenter un tout petit peu le DPS. Et voilà, on est OP. Donc il me propose déjà d'aller au Malteterre de l'Est. Mais je préfère être vraiment 40 pour commencer les quêtes là-bas. Parce qu'après, je vais être bloqué. On va faire chier le mec. Regardez, on va le troller lui. C'est quoi comme comme race? Ah, je peux pas cliquer dessus ici. C'est un humain en plus. Alors je vais lui péter ses araignées, comme ça il pourra pas les... Ça lui comptabilise. Ça va pas lui comptabiliser. Quel gros bâtard. Je suis trop un bâtard. Ouais, je sais. Non, on va pas se faire chier, ça sert à rien, finalement. Ou pas. Ah, je suis un salaud.
ça va le vénère. Sont solides ces araignées en plus. Bon, on l'emmerde une dernière fois. Là, il va m'engueuler. On va lui dire bye. Mauvaise journée. Allez. C'est pas la peine de l'emmerder non plus. Après, va bah, vraiment. C'était juste pour le troller 5 minutes. Laissons-le. Barrons-nous. Ah, il veut que j'aille au nord. Et ben, on y va. Ouais. Je suis pas du genre à faire chier le monde. Voilà, c'était rigolo. Voilà. Mais il serait capable de reroll pour m'insulter. Ça, ça arrive souvent sur vous, par contre. Je ne peux pas encore. Enculé ! T'as que ça à foutre ! Je te nique la gueule ! Déjà eu des réactions comme ça. C'est pas beau. C'est vilain, vilain. C'est vilain d'être vilain. Alors, il faut que j'aille où ? Comment ça s'appelle ? Atreval. Bah, c'est Atreval, d'accord, très bien, parfait. On dit. Oh, Atreval. Faut pas faire plus allianceux que ça. On se rappelle que c'est la croisade d'argent. Donc la croisade d'argent, c'est souvent, ça a l'air d'être beaucoup des. Il y a aussi des humains dans la croisade d'argent. C'est une faction neutre. Donc elle travaille, vous voyez. Vous avez des orques et des humains ensemble, des elfes. Des elfes de sang. Tout ce petit monde là pour combattre le fléau. Hop, on a débloqué le fly. Je vous souhaite une bonne journée. Alors je suis où dans mes compétences? Parce que ce serait vraiment, je pense, intéressant. Intéressant de. De partie de. Faudra pas que j'oublie de monter mon secourisme. Allez, on va se présenter. À la personne. Au généralissime Tyrion. Donjon de Mardenhold. Alors, généralement, il y a souvent un escalier. Ils sont sympas leurs skins, on va regarder un petit peu plus près. Des gardes d'honneur d'Atreval. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, j'aime bien. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Moi. Vous avez besoin de quelque chose? Non. Oui, le chef. S'il vous plaît, il doit être là. Le chef est généralement ici. Il est là. Alors, waouh. Généralissime Tyrion Fording. Belles épaulières. Est-ce que c'est des épaulières qu'on peut avoir en jeu, ça, en tant que joueur? Ayons foi en la lumière. J'aime bien son skin. Possible. Si quelqu'un a des informations sur ce skin, l'heure de la croisade d'argent est venue. Oui, oui, du calme. Casavoir, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Je sais que vous êtes jeune et inexpérimenté, mais je vous observe depuis quelques temps dans la croisade d'argent, nous sommes toujours à l'affût de nouvelles recrues prometteuses. Ne perdez pas la joie. Mais c'est tout. Ce n'est qu'en au revoir, Casavoir. Celui les bonnes gens, lui, voit le dishonneur de ma part. Ok. Oh, il y a le monde qui arrive. Alors, c'est ses copains. Ils vont me donner des quêtes. Alors, Delgaroth. J'ai déjà vu du pays, vous savez, bon guerrier. J'ai pris part à la bataille d'Ankiraj, j'ai franchi la porte des ténèbres pour aller guerroyer en Outre-Terre. J'ai rejoint la croisade d'argent pour combattre le fléau dans les étendues glacées de Nuorfand. T'es un menteur, t'es niveau 41. Ça m'étonnerait que tu sois allé en Orphande, toi. Petit menteur. Attends, retrouvez Delgaron au bivouac des soigneurs. Ok. Et toi, viens ma poule. Daria. Salutations, comment allez-vous? Je m'appelle Daria. Je suis l'une des prêtresses chargées de maintenir la paix ici à Treval. L'un de mes devoirs consiste à entretenir la tour en bas de la piste, au sud-est d'Atreval. Cette tour revêt une importance personnelle pour le généralissime. C'est l'endroit où son fils a perdu la vie. Tuer des pillards ou jouer pas. Ok, bon, on est pas mal. Les amis, on avance pas mal. Niveau 39 avec un petit quart, à 25%. On va bientôt passer niveau 40, donc on pourra changer aussi de zone. Moi, je trouve que je suis beau. Je trouve qu'on avance pas mal, qu'on évolue pas mal. J'aime bien cette zone. On a découvert une nouvelle faction avec qui on commence à travailler un petit peu de la croisade d'argent. Donc c'est très sympathique. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite tous de bons moments, de bons jeux. C'était Kaz sur WoW. Je vous embrasse fort. À la prochaine. Ciao.